devrais dormir, hein. Demain, tu te réveilles à 6h. Pourquoi 6h? Bah, t'as ton épreuve. Lève-moi 5 minutes avant, c'est bon. 5 minutes avant de partir. Ouais, je me dis, t'inquiète pas. Lève-moi 5 minutes avant. Ok. T'as intérêt d'être prêt, faut pas être en retard à ton épreuve de bac, hein. Yacine, il est 6h, là, réveille-toi. Mais je t'ai dit de me lever 5 minutes avant. Bon, je repasse à 7h. Hein. Oh, il est 7h là, il te reste plus qu'une heure avant d'y aller. Mmh. Yacine, il te reste une heure avant d'y aller. Mais je t'ai dit 5 minutes avant! 5 minutes. Tu vois pas ton épreuve, je le dirai à papa. C'est pas possible. Il lui reste 5 minutes. Oh, le bus il passe dans 5 minutes là, vas-y, lève-toi. Dans 5 minutes, le bus il passe. Le bus il va passer là, lève-toi. Et quelle heure? Il est 55. T'es déjà habillé? Ouais, on y va. Crayon et tout, on est OP pour la rentrée. Wesh, oh, Issa, ça fait longtemps! Putain. Aïe aïe aïe! Oh, la rentrée! Ah, c'est bien, vas-y, casse les couilles, vas-y. Eh, t'as vu le Neymar hier? Oh, il les a tués! Oh, oh, il est arrivé, ta! Sur le côté, accélération. Je te remonte. Hop, bonjour. Bonjour. Vous pouvez entrer. Bonjour. Vas-y, passe devant, c'est parfait, je l'aime pas. J'ai grave. Mais Neymar, il a fait la blague. Oh là là, c'est fini les vacances. Attends, ta gueule. T'as bien en feu, Yacine, ça en fuit. Alors, pour cette pré-rentrée, moi, je suis Monsieur Sacoche, ça s'écrit comme la sacoche, S-A-C-O-C-H-E. Donc, pour l'emploi du temps, c'est très simple. Lundi, vous ferez 8h, 16h. Ouais! Par contre, calmez-vous au niveau des réactions, s'il vous plaît. Mardi, ça sera du 9h, 15h, avec 2h de PS. Allez, asseyez-vous, je vous ai dit. Merci, Massitoche. Asseyez-vous. Respect, s'il te plaît. Je sais que c'est la classe sec, pas, mais calmez-vous. Mercredi, 8h, 10h. Ouais! Yes! Jeudi, ça sera du 8h, 16h. Putain, hey, check-moi ça, mon gars. Par contre, je suis désolé, vendredi, ça sera 8h, 16h avec 2h de PM. Check quand même, on roulera des joints, check quand même. Vas-y. Check quand même. Et samedi matin, de 8h à midi. Mais pourquoi samedi on a l'école? Mais samedi, je peux pas y aller. T'es en train de casser les couilles, cette école de merde. Je te parle à la fenêtre, mon gars, les couilles. Cette école de merde. Je vais vous donner des devoirs pour demain, je sais que c'est la rentrée, normalement on donne pas de devoirs, mais bon, faut faire travailler votre matière grise, hein, comme on dit. Donc, mathématiques, vous allez me faire les 4 exercices, les premiers 4 exercices, devoir maison, d'histoire géo, vous me trouvez la place de la France au niveau mondial, vous m'apprenez la poésie que je vous ai donnée, le gros livre là, que vous avez ramené chez vous, vous m'apprenez la poésie, et pour finir, vous allez me tracer 60 cercles avec le compas, parce que vous êtes en CN2, vous avez besoin de vous familiariser avec le compas, oui. On a autant de devoirs pour la pré-rentrée? Oui. Et je vous transmettrai d'autres exercices par mail. Allez, salut. Monsieur? Oui. Excusez-moi, j'ai pas compris le truc sur les autres peuples anciens. Oui, s'il vous plaît. C'est très compliqué. Oui, mais je vais vous expliquer, il n'y a pas de problème. Je vais vous expliquer. Alors, c'est quoi que vous comprenez pas? C'est ça, là. Ok. Alors, le soleil et la terre. Ensuite, en face, entre les deux, il y a la lune. Ouais. Vous comprenez? Ouais. Donc, le soleil. Vous comprenez ou qu'est-ce qui vous arrive? Moi, bon, je vais aider Guillaume. Ouais, le... Pire qu'un putois. T'as vu, c'est pas un truc de ouf. Ils nous disent d'arriver à 7h55 devant le lycée et eux ils sont tout le temps en retard, les profs. Voilà, t'es ouf. Salut les gens. C'est pour vous dire que votre prof principal n'est pas là. Jiwala 3. Alors maintenant, les enfants, on va passer au programme de sport pour cette année. Donc on aura 3 grands sports cette année. Je sais qu'il y a des sportifs, hein, les garçons, vous aimez. Donc on va commencer par acrosport. Ça va, c'est le premier. C'est toujours le plus nul.
Et on va continuer avec le cirque. C'est pas grave, c'est, il reste un. Et on finira avec, bien sûr, à la fin de l'année, tout le monde est détendu, la danse. Putain! Aujourd'hui au programme de français, on va étudier le livre La Gloire. La Gloire, La Gloire, ça vous dit quelque chose, La Gloire? La Gloire, non, La Gloire, ok. Ce livre a été écrit en 1913, il a donc l'âge de vos grands-parents. Et oui. Il n'a pas été écrit en français, mais en polonais. Pourquoi je vous le lis? Je ne sais pas. Pour que vous puissiez le lire, il a fallu le traduire ou même l'adapter, c'est-à-dire remplacer certains mots ou certains passages du récit par d'autres. Évidemment, si c'est en polonais, on ne peut pas comprendre, quoi. Ces choses importantes et difficiles sont la pauvreté, la maladie, l'amour et la mort. Moi, tu me parles de ça. S'il vous plaît, un peu de silence. C'est très important. Alors, Napoléon est un substantif. Ah, mais tu fais quoi? Quant à Marie, elle composa le poème que voici. Ne pleurez pas, petite maman, petit papa. Votre puce a maintenant des ailes blanches. Elle est au ciel, et auprès d'elle, il y a Vicky, votre petit garçon. N'est-ce pas magnifique? Ah, je touche un chewing-gum. Les anges, leur... Mais c'est dégueulasse, putain! Dans ta gueule, il y en a qui dorment. Issa Nassim Bocarnet. Donc le numérateur et les dénominateurs, bien sûr,